Alors, Les oiseaux qui... Les... Hop, l'intégration est parfaite comme ça. Ouais, je crois The Witcher. Ouais, le jeu est trop bien. ok, bah voilà. Qu'est-ce que je fous, putain? Bim boum bam. Tika tika boum. Il could be the bim bom bidi. Merde. Attendez. Hop. Je me mets là. Hop. 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 Ok. Fond vert. Ouais, bien sûr. Fond vert, évidemment. Alors, tu as déjà parlé de la prog de Zilan. Oui, on en a parlé. Là, on a parlé pendant 2 heures. Donc, ouais, on a parlé de Zilan notamment, bien sûr. Bien sûr. Merci, Satoshi, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Messieurs, dames, je pense qu'on va continuer l'aventure. Je me mets en condition. Ça va être énorme ce qui va se passer. Vous savez quoi? Ça va être tellement énorme que je vais me chercher mon sandwich. C'est un sandwich que je mange pendant les cinématiques. Et je vais le chercher déjà maintenant. Aussi, je vais faire un petit pipi. Comme ça, on est tranquille. Donc, sandwich, pipi. Parce que là, on va avoir un truc. Non, mais là, on a un conseil de fou, là. Non, mais ok, j'arrive. J'arrive. Vous allez voir. C'est assez ouf. Bonsoir. Bonsoir. Let's go le train. Le train de live, bien sûr. Alors. Merci beaucoup à Akina pour les 200 bits. Le V vrai, merci aussi pour les 100 bits. C'est Jerem Travel pour le 7ème mois. Merci beaucoup. Merci Jiclom aussi pour l'abonnement. La musique, il s'enjaille là. On est parti? La musique s'enjaille, boum, continuez, c'est parti, messieurs, dames, let's go. Sur l'île des Brumes, où le mage elfe l'avait caché, Geralt retrouva enfin Ciri. Ils n'eurent pas le temps de fêter ses retrouvailles. La chasse sauvage arrivait. Ils fuirent, téléportés par Ciri, jusqu'à Kaer Morhen, où attendaient leurs amis. Tu es une très jolie fleur. Ok. Merci Jiclom, merci Little Armageddon aussi pour le sub, give Nazastra pour les 100 bits aussi. Et Navistart pour le 4ème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, toujours aussi faible son. Ouais, c'est un enfer. Bon. Gros live en perspective. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Toujours un bonheur de te voir sur The Witchfloor, un sacré moment de la semaine. Ah bah. Là, c'est assez décisif. C'est-à-dire que là, on est donc, on a retrouvé Ciri, Ciri qui est notre fille. On a cru qu'elle était morte. Ça, c'était l'épisode dernier. On a vraiment cru qu'elle était morte. Merci Tranaya pour le 6ème mois. Merci beaucoup. Le gros drop qu'il y a eu. Ah, il y a un gros drop. Ça lag là. Ah bon? Non, ok. Ah, il y a eu un drop. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver, ok. C'était au début. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup, Tranaya, pour le 6ème mois. Merci, Pepito, pour les 100 bits aussi. Il y a un monsieur du nom de Gunter qui me demande si tu as besoin de quoi que ce soit en particulier. Il te propose une cuillère. Mais what the fuck, Pepito? Bon, alors,
Expliquons un petit peu où est-ce qu'on en est, messieurs, dames. Je suis Gérald de Rive, sorceleur depuis maintenant plus de 100 ans. Hein. Je suis vraiment le boss. J'ai perdu ma fille, mais malheureusement, ma fille Siri a disparu. Le but du jeu, c'est clairement retrouver Siri, qui est notre fille, en gros. On a retrouvé Siri à l'épisode précédent. Siri qu'on a retrouvée morte. Mais finalement, elle n'était pas si morte, parce qu'on a réussi à la ressusciter. Parce qu'on est juste le boss, hein, grosso merdo, hein, avec un câlin. Oh là, ça va. Et là, on est tous à Kaer Morhen pour aller faire la bataille, entre guillemets, finale contre... on sait pas trop la marche, on sait pas trop. Et donc, j'ai réuni tous mes alliés que j'ai rencontrés au fur et à mesure de l'aventure. Ok. Je les ai réunis pour la bataille finale. Et là, on a un conseil. Entrer dans le donjon et débuter le conseil. Oui, c'est pas vraiment sa fille. C'est pas sa fille biologique, mais vous voyez ce que je veux dire. Attendez, il y a de la ficelle là, c'est bon ça. Ok. Oui. Tous mes alliés. Oui, alors j'ai fait appel à tous mes alliés vivants et tous les alliés avec qui je m'entends bien sûr. Merci au Mystique pour le troisième mois. Merci Alden pour l'abonnement. Beranor pour le Prime et Virgile. Bonjour Ponce, je travaille avec Thierry Moreau, je souhaiterais savoir si une collaboration est possible. Si pas de réponse, je passerai par Zwan. Si pas de réponse, je contacterai directement ta famille, merci. Okay. C'est là le conseil là? Ah non. Ça va les gars? La réfection de ces murs n'est ni faite ni à faire. À quoi va servir ce gaz? Il est hautement inflammable. Je compte provoquer une explosion qui brûlera plusieurs cavaliers de la chasse en même temps. Ça ne risque pas d'endommager la forteresse? Ces murs sont déjà en ruine. Je vois difficilement comment aggraver leur état. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je bouge là. C'est bon? Attends, quoi? Allô? Allô? Ça... Mais... Pourquoi moi j'ai aucun... Tout est fluide chez moi. Ah... C'est peut-être le train de la hype. Je rigole même pas. Hein. F5, mais il y a juste le son. Mais quoi? Mais... Freeze à mort. Ok, je n'ai rien fait. Je ne fais rien. On va attendre la fin du train de la hype. Je rigole à moitié. Hein. En vrai. Je suis là, ne vous en faites pas. Je suis toujours présent. J'ai des choses ouvertes, improbables. Non, même pas. C'est bizarre. Alors, fin du train de la hype. Attention, le train de la hype s'arrête. Voilà, quel soutien incroyable. Merci d'ailleurs Codej pour le troisième mois, merci beaucoup. Ok. C'est revenu? C'est bon? Ok. C'est revenu, putain mais what? C'est trop bizarre. Ok. C'est un coup des Nilfgaardiens, c'est sûr, c'est obligé. Alors, quand je passe en full screen, ça lag toujours ou pas? Hop, je fais ça. C'est bon? C'est ok. Vous me dites si jamais ça bug, ok? Ok. Alors, les murs... Alors là, mais du coup, je sais même pas quoi répondre. Quel enfer! Les murs ne sont pas vraiment... Je sais pas quoi répondre, du coup. RIP. Mais what? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le... Alors. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je comprends pas, là. Le full screen fait bug. Mais... Oh non! Mais pourquoi? Qu'est-ce que... Comment? Pourquoi? Quand? Où? Ah.
Que le son, c'est les alertes. What, mais fallait pas dire non à Thierry. Écoutez, écoutez, je sais pas d'où ça vient. Écoutez, je vais faire un petit redémarrage de jeu, ok ? Petit redémarrage de jeu pour voir, ok ? Tranquille, je fais un redémarrage de jeu. On va voir ce qui se passe. Restart ton PC. Bah moi j'ai aucun problème, donc moi j'ai aucun souci. C'est pour ça que je sais pas d'où ça vient en fait. Excusez-moi. Relance le stream. Non, mais c'est... écoutez. On a un décalage de moins 20 secondes. Ça, je c'est quoi c'est... Ah ! Ok, je relance le jeu, on va voir, ok ? Ouais, je restart le jeu tranquille, on va voir. Hop, ça se relance. Là, tu frises pas. Ouais, bah là, j'ai fermé le jeu. C'était... Ah, attendez. Je sais d'où ça vient. Ok. Enfin, non, je sais pas en vrai, mais... Peut-être ça ? J'ai relancé le jeu, on va voir. Strictement aucune idée de ce qui va se passer. Hein. Hop. Vous vous rassemblez devant moi, affamé. Vous l'avez là. Terrifié, serrant votre marmaille contre vous. Sur l'île des brumes, où le mage elfe l'avait caché. C'est ta connexion. Non, pas du tout. Enfin non, pas du tout. Non, c'est le jeu et Twitch, quoi. Il n'a pas le temps de fêter ses retrouvailles. La chasse sauvage arrivait. Ils fuirent, téléportés par Ciri, jusqu'à Kaer Morhen, où attendaient leurs amis. T'es bon ? Hop ! Est-ce que là, c'est bon ? Moi, c'est extrêmement fluide, hein, donc c'est pour ça que je... Ok, pour l'instant, ça va. Ok, merci Noles pour le 11e mois. Ok, si je fais ça... C'est toujours bon ou pas ? Ok, donc tout c'est bon. Ça vient de toi, Ponce, parce que... Ah non, enfin le délai ne vient pas de moi. Moi j'y peux rien s'il y a un délai. Moi j'ai rien fait. Enfin je veux dire, il n'y a aucune raison qu'il y ait un délai sur le live, d'un coup. C'est... en gros, je pense que c'est juste vu qu'il y a eu un bug, ça a créé du délai, et du coup, bah il y a un délai, quoi. Mais en vrai, j'y peux rien, quoi. Délai de plus d'une minute ? Mais non. On va tester le délai. Dans 3 secondes, vous mettez plein de fleurs sur le chat. 1, 2, 3. En vrai, c'est... Ok. Honnêtement, j'ai vu des fleurs au bout de... assez rapidement. Ah, si vous avez du délai, faut F5. Faut F5 dans ce cas-là, ouais. Oui. Merci Jean Faya pour le 3e mois. Salut Ponce, j'ai arrêté ma consommation de canna et ta vidéo et ta manière d'en parler m'a beaucoup aidé en tant que gros fumeur. Merci à toi pour ces conseils. Bah écoute, GG à toi surtout. Ok, là je vois que vous avez envoyé plein de fleurs. En gros, si vous sentez qu'il y a un délai, n'hésitez pas à F5. Moi je peux rien faire, je peux rien faire de plus honnêtement. Moi je n'ai rien fait. J'avais 30 secondes de retard, what the fuck, c'est à cause des bugs, je pense. Ok, messieurs, dames, si vous sentez que vous avez du délai, n'hésitez pas à F5, à refresh la page. Normalement, sur le live, il n'y a pas de délai. Normalement. Voilà. Un petit F5 et ça repart, et sinon, on fait avec, quoi. Voilà. J'ai souvent une seconde de délai. Oui, ça, c'est normal. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, c'est parti. Donc, on va aller faire ce conseil. On va aller faire ce fameux conseil. Alors attendez, parce que tout le monde veut parler, je pense, non ? La réfection de ces murs n'est ni faite ni à faire. Voilà. À quoi va servir ce gaz ? Il est hautement inflammable. Je compte provoquer une explosion qui brûlera plusieurs cavaliers de la chasse en même temps. Ça ne risque pas d'endommager la forteresse ? Ces murs sont déjà en ruine. Je vois difficilement comment aggraver leur état. Bah du coup, ces murs sont déjà en ruine. Ouais, les murs, c'est pas notre spécialité, faudrait boucher les trous. Moi, je dirais qu'il faudrait boucher les trous des murs, quand même. On pourrait peut-être boucher les trous. On a les matériaux. Je peux donner un coup de main. Et Lambert ?
La maçonnerie et lui, ça fait deux. Énorme dialogue. Énorme dialogue, une discussion tout à fait murale. Classique. Oh, j'ai... Attends, c'est... Ah, mais non. C'est Eskel, putain. Comment il va, celui-ci ? Eskel. J'ai besoin de calme. Il faut que je me prépare. Bien sûr. T'as recruté tes alliés, du coup. Alors oui, j'ai recruté pas mal d'alliés. Malheureusement, il y en a certains qui sont morts. Je sais pas trop pourquoi, mais ils sont morts. Certains. Un peu triste. Le voici, qu'est-ce qu'il y a ? Merci d'être venus, tous les deux. Inutile de nous remercier. À ce propos, j'ai pas reçu d'invitation. Garde tes excuses, Gérald. Sid m'a bassiné pendant tout le trajet. L'orage est passé. C'est tout notre effectif. La qualité prime sur la quantité. Point de vue de sorceleur. Valable face à un monstre, pas forcément lors d'une bataille rangée. J'espère que tu sais ce que tu fais. Un tour des lieux s'impose. Je dois me familiariser avec le champ de bataille. Ok. On est au début ou à la fin du jeu là ? Bah là on approche de la fin, on approche un petit peu de la bataille finale. Tu le baisses à chaque fois que tu relâches la corde. En plus de ça, les projectiles enflammés requièrent d'ajuster l'outil. Mais le tir où ? Oula ! Ah ! Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Propre. Hyper précis. Ok. Bah, ça s'entraîne, hein, mais c'est normal. Ils font bien de s'entraîner, honnêtement. Honnêtement, vu la gueule du fight qui arrive, ils font très très bien de s'entraîner. Je vous dis, vraiment, c'est... Ils sont si peu. Oui, je sais qu'ils sont peu. Merci All in One pour le 11e mois, merci beaucoup. Tu as combien d'heures de jeu sur The Witcher ? Là, j'ai 80, un peu plus de 96, on a vu tout à l'heure. Un peu plus de 96 heures. Le bro Zoltan est là. Ouais, Zoltan est venu, je crois. Il me semble. Rassemblement général, il faut qu'on parle. J'ai un flow énorme avec mon simulé là. D'être ici. La chasse sauvage ne va pas tarder. Ils comptent enlever Ciri. Nous allons les en empêcher. Comment sais-tu que la chasse va venir ? Elle ressent chacune de mes téléportations et se déplace aussitôt. Et quel est notre plan ? Bah le plan, c'est un petit Gwent, hein. Le plan, c'est un petit Gwent avant la bataille. Le roi de la chasse, Iridin, est certain de la supériorité de ses troupes d'assaut. Il frappera fort, en espérant nous balayer d'un coup. Pour déjouer ses plans, nous devons prendre l'initiative. Je vais créer un dôme magique au-dessus de la forteresse. Cela les obligera à se disperser dans les bois. S'ils sont dispersés dans les bois, on peut les attaquer par petits groupes. À nous deux, cela fait déjà deux volontaires pour chasser les chasseurs. La chasse va tenter d'envahir la forteresse via des portails de navigation. Je ne peux rien contre cette forme de magie. Vous devrez donc les trouver et les fermer au gré de votre traque dans les bois.
Lambert va nous fournir des bombes au diméritium. Tu te souviens de la formule ? Bien sûr. Excellent. Irden devrait également fonctionner sur les portails. Je vous donnerai une amulette chacun. Brisez-la et vous deviendrez invisible. Du moins si vous restez immobile ou marchez doucement. L'ennemi vous verra dès que vous engagerez le combat ou bougerez soudainement. Cela mis à part, ils pourront t'entendre et te sentir. Évite la confrontation avec les grosses unités. Fais signatrice, elle viendra en renfort. J'attendrai le signal. Dès que je le verrai, le feu s'abattra sur la forêt. Alors évidemment, nous devons collaborer et Ciri passe avant tout. Alors, moi il me manque des éléments d'information hein, pour faire passer Ciri avant tout. Je te cache pas que j'aime beaucoup hein, Ciri, forcément, c'est un petit peu comme ma fille, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, ma fille finalement. Mais quand même, N'oubliez pas que nous sommes peu nombreux. Nous devons nous entraider, nous soutenir. Si par malheur la chasse sauvage nous force à la défensive, on se replie et on fait front aux portes de la forteresse. La cour intérieure sera notre dernière ligne de défense. Si ce verrou saute, nous sommes fichus. Ciri passe avant tout. C'est elle que la chasse vient chercher. Il faut la défendre à tout prix. Et je suis censée faire quoi ? Rester dans l'enceinte. S'ils entrent, replie-toi à l'intérieur. Nous viendrons tous t'épauler. Hors de question. Je suis apte à me défendre. Nul n'en doute, mon enfant. Mais te souviens-tu du moment le plus important lors d'une chasse aux monstres ? Attendre l'ouverture. Après ce conseil, je te donnerai une amulette. Utilise-la et une boule de feu atterrira où tu te trouves. C'est juste au cas où. Ok. Bon. Autre chose qui pourrait nous être utile ? S'il s'agit de combattre la chasse en forêt, je peux préparer une série de pièges façon strip bleu. C'est-à-dire ? Des fosses. Profondes et hérissées de pieux effilés. J'ai apporté ce mélange de Mahakam. Il est aussi inflammable que le salpêtre et hautement collant. On a juste à remplir quelques barils, à les empiler dans un goulet et y mettre le feu au bon moment. Sais-tu que nous sommes situés au-dessus d'une vaste poche de gaz ? Si besoin est, je peux fissurer le sol et créer des explosions, mais cela demande préparation. Il y a le laboratoire et l'atelier. Un point important. Nos ressources sont limitées et nous disposons d'encore moins de temps. Il faut décider quel type d'arme sera le plus efficace contre la chasse. Absolument. Il faut affecter un type d'armement au laboratoire et à l'atelier. Quid du labo ? Parlons de l'atelier. Les deux me conviennent, hein, honnêtement. Merci Sacha Bros la patate pour le 4e mois, merci Alewis pour le 2e et merci Matalo aussi pour le 9e mois. Merci beaucoup. Bah là... Bah petit labo, quid du labo en fait. Qui a besoin du laboratoire ? J'ai commencé à fabriquer des potions. J'aimerais pouvoir les terminer. Je peux préparer d'autres pièges, mais j'aurai besoin de tout l'équipement du laboratoire. Je dois choisir entre potion et piège. C'est difficile là. Oh, hop, attendez. Moi j'aime bien les deux. Hein. Faut pas faire les deux. La potion de Chijou. Même des pièges. Au vu de nos maigres effectifs. Il va falloir préparer le plus de pièges possible. Parlons un peu de l'atelier. Il faudrait boucher cette brèche dans le mur, mais nous aurons besoin des mêmes outils pour dégager les gravats dans l'armurerie. Quel gravat ? Tu n'es pas au courant ? Le toit s'est effondré il y a 2 ans. L'armurerie abrite des épées d'excellente facture qui pourraient nous servir. Combler la brèche me paraît tout aussi important. S'il passe par là, le siège risque d'être le plus court de l'histoire. Préparons le mur.
Combler la brèche du mur est une priorité. Le temps nous manque pour autre chose. Tout est réglé. Bah, go. Oui, nous sommes au point. Le temps presse, mettons-nous au travail. En fait, vu que je sais pas trop... Yennefer génère une barrière magique pour repousser l'assaut principal. Ok. Les assaillants se retrouvent dans les bois. Ok. Où Lambert et Geralt les attendent. Ils referment les portails de navigation à l'aide de bombes au diméritium et freinent au maximum l'assaut sur la forteresse. Au signal, Triss fait pleuvoir l'enfer sur les cavaliers. Les autres repoussent tout assaillant introduit dans l'enceinte. Si ça barde, on abandonne la cour extérieure pour se replier dans le donjon. N'oubliez pas, Eredin ne doit pas atteindre Ciri, c'est le plus important. Examinons le plan de la forteresse dans ses moindres détails. Moi j'aime bien le plan là, comme il est. J'ai le sentiment que nous oublions un détail crucial. Ah. T'en fais pas pour ça. Ah, je suis chaud d'examiner les scénarios possibles. Très chaud. J'aimerais discuter de ce qui nous attend. Sans façon, merci. Adresse-toi plutôt à Ciri. Elle en meurt d'envie. Ok. Je vous fais courir à tous un risque inutile. Tu te fais trop de soucis. Déride-toi un peu. On va s'en sortir. Merci. Pour tout. Je vais sceller les chevaux. Rejoins-moi quand tu seras prêt à gagner le sous-bois. Yes. Je me suis pris un énorme vent. Sortez du donjon, rejoignez Lambert quand vous serez prêt à affronter la chasse sauvage. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on a des coiffeurs, des barbiers un petit peu, vous pensez, ici ? L'isolement des longs hivers suscite d'étranges visions. Ok, amélioration d'armure. Parce que si jamais il y a des... Si jamais il y a un coiffeur, je suis chaud pour une petite coupe, quoi. Un petit truc, quoi. Tu as un instant. Ah, fini de rire. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment, je lui rappelle, ok. C'est après toi qu'ils en ont. Quoi qu'il advienne, reste à l'écart du danger. Et je dois rester les bras croisés pendant que d'autres risquent leur vie pour moi ? Pour une fois, aie confiance et laisse les autres agir. Ne me traite pas comme une enfant. Je ne l'ai jamais fait, même quand tu en étais une. J'aime bien te voir sourire. Viens là. Si il y a moyen de me faire un petit épée en ville... Ok. J'aurais été chaud d'un petit TP en ville. Ça m'aurait bien arrangé, malheureusement. Il n'y aura pas de TP en ville, je crois. Inventaire. Il faudrait que je vende des trucs. Oui, j'ai un coffre. Il n'y a pas de voyage rapide. Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait, Ciri ? Elle s'entraîne à l'épée, de toute façon, c'est ça, se paye, ça. En permanence. C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce que vous faites ? Personne. Ok. J'aime bien te voir sourire, Geralt. Bien sûr. Bon, écoutez, je vais sortir du donjon. De toute façon, je ne sais pas à quoi m'attendre. En fait, c'est ça le truc, c'est que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais même pas ce que c'est la chasse sauvage. Je pensais que la chasse sauvage, c'était des gens qui pêchaient sans autorisation à la base. Je te cache pas que si c'est ça, ça me va hein, de me battre contre certains pêcheurs qui pêchent sans autorisation ou autre. C'est pas non plus... Enfin, on va voir. Hein. Bah tiens, regardez, en parlant de pêche, justement, des poissons.
Tu as vu? Ça commence. Dans les bois, vite! Il n'y avait pas Yen là-haut? Ah oui, elle est énorme en fait, la barrière de... la barrière magique. Elle est gigantesque. Un alcool fort a été utilisé. Ah d'accord. On doit une fière chandelle à Yen. Ce sort, c'est quelque chose. Sans oublier l'invisibilité. Leurs molosses peuvent nous flairer. Garde tes distances. Et n'oublie pas que tu redeviendras visible dès que tu engageras le combat. Au fait, beau travail avec ces bombes. Vise les portails et applique-toi. Je suis à court de diméritium. Yen a suggéré de lancer le signe d'Irden sur les failles pour les sceller. Les voilà. Faisons leur bon accueil. Ah ok. Tout doux. Les chasseurs. L'effet de surprise est primordial. Reste caché. Laisse une chance à Triss de leur montrer ce qu'elle sait faire. On frappera ensuite. Ok, alors... utiliser des bombes ou le signe, je vais plutôt utiliser le signe, pour enfermer tous les portails. Pense à me donner une taloche. Ça c'est des portails? Non. Non. Ils sont où les portails? On va aller là-bas. Ok. On est invisible donc normalement on est bien là. On a les trois portails sur la minimap, on est bien. Les fosses de roche. Refermer un portail, lancer une bombe au Dimitrium dedans. Ah, y'a pas de Yarden? Y'a pas de genre. Y'a pas de ça? Je hais les portails. Et voilà. Alors, allez, foi. Ok. Je crois que ça a sonné chez moi. Attendez, je crois que ça a sonné chez moi. J'arrive. Oh non, mais pas maintenant! Waouh! C'est un livreur pour du matos commandé chez Thoman. Ok. On se remet dedans. J'ai fermé un portail, j'étais en plein combat contre justement des gens de la marche sauvage. C'est parti. What? Non. Non. Allô?
Ok. Ok. Ah. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est super. Ah bah c'est... Oh, c'est top. Ah, c'est top. C'est super. C'est top. Vous m'avez ou pas, là? Vous m'avez ou pas? Moi, je mets. Moi, je mets. J'ai quand même pas mal de bugs sur le jeu. Fini de jouer. Merde. Ok, détruit. Ouais, je crois que c'est juste le jeu qui a freeze. Ouais, ouais, non, mais c'est... C'est juste le jeu qui a freeze, écoutez. Énorme. Le jeu s'est arrêté. Le jeu s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois pas que le live... Je sais pas s'il y a eu un freeze sur le live, en fait. C'est ça que je sais pas si... Je sais pas. Merci Ponce de récupérer tous les bugs qu'on n'a pas eu. Mais c'est ouf, moi j'ai un nombre de bugs hallucinant. Mais peut-être parce que je le stream en même temps, du coup c'est bizarre. C'est peut-être pour ça, en vrai. Je pense que c'est pour ça. Pour le coup, le jeu est bien plus stable sur PS4. Ouais, après, tu sais, le fait de le streamer, t'as beaucoup de logiciels ouverts et tout. Tu vois. Peut-être, hein. La cam fonctionnait, ok, ok. Ça doit jouer. Bon, allez, deuxième portail. Merci Thompson pour le deuxième mois, Tom Z pour le deuxième mois, Clotty pour le sixième mois et Ru pour le prime. Merci à vous, merci beaucoup. Ok, on va refermer ça. Invisibilité. Hop. Ok. Compte me faire languir longtemps. Après là, les combats, je les pulvérise quand même. Je parle peut-être un peu vite, non? C'est ça? Je parle peut-être un peu vite. On va voir. Aïe. Ok. Oula. Ok, je laisse ma vie remonter tranquille. Il y a quoi derrière? Ah. Ah. Ouais, je parle un peu vite, ouais. Ouais, je parle vite, ouais. Après, j'ai tué un golem de niveau 30, hein. Et j'ai tué 4 gardes, hein. 4, je crois, ouais, 4, ouais. Oula. Tiens, voilà. Hey, mais les molosses, ils sont pires que les chevaliers, en fait. Ok. En 200 heures de jeu, j'ai dû avoir 2-3 bugs grand max. Ouais, c'est ouf que j'en ai autant, je sais pas trop pourquoi. Pourtant, j'ai aucun mode, j'ai le jeu vraiment en full vanilla. Vous savez, j'ai pas d'ajout, quoi que ce soit. Ok. En même temps, tu m'étonnes que le combat soit pas bien dur, ça reste quand même des pêcheurs nomades, quoi. Donc c'est pas non plus... Oh merde, j'ai pas Yarden. Oh, l'erreur. Ok. Je vais faire ça et ça. Oh, je l'ai fait au mauvais endroit. J'ai résolu votre problème. Ok, c'est bon. Je repasse en Igni. Aïe. Qu'est-ce que t'es moche. Quoi? Gérald, par ici. Regarde, ils se regroupent. Tu vois leur commandant? C'est Imlerit. Je me souviens de lui à l'époque où je chevauchais avec la chasse sauvage. Bon sang, le sort se dissipe. On redevient visible. Que fait Merigold? Merde. Oula, non, non, pas de risque pour... Non, non, Siri.
Tu es censé rester à l'intérieur. Pas question de végéter pendant que vous risquez vos vies pour moi. Retourne à l'intérieur. Non, Gérald a donné le signal et Triss n'a pas lancé de sort. Très bien, cours la rejoindre. Non, mais non. Alors, appuyez sur RB pour invoquer une boule de feu qui frappera votre position actuelle. Ok. J'ai peur. Si vous possédez un nouvel objet de quête, équipez-le en le plaçant dans un emplacement approprié dans l'inventaire, puis sélectionnez... Ah, j'ai un inventaire maintenant avec Siri. Ok. Une charge avec Y. Ok, d'accord. Non, tombe pas. Ok. Ok. Et c'est quoi le sort du coup? Reculer ou le projectile? Ah! Ah, il faut se casser après. Ah oui, d'accord. Ah oui, attendez. Regardez. Je vais faire un... Attention, Zoltan! Siri, attention! Ok. Je suis bien là. En plus, il y a le retour de Shakira qui régale. Ah, je suis trop content. Ok. Je vais aller là. Je vais lui mettre ce qu'il mérite. Comme ça. Hop là. J'y retourne. Oh, il est mort. Charge, une attaque très puissante, rapide, téléportation, ok, amulette magique. Aucune idée de comment ça marche, c'est énorme. Une autre vague approche, ok. Elle est forte, Siri, par contre, elle est vraiment très forte. Oh, ils sont où? Allez, aider Triss sur les remparts, mais elle est où, Triss? Ah, mais elle est là-bas, mais en fait, je suis allé de l'autre côté. C'est énorme. Tiens bon, Triss. J'avoue, je suis allé complètement... Triss, on est là. Ok. Non, je ne... Ah, si, si. Ok, aïe. Elle est forte par contre. Hein. Ok. Je vais mourir? Non, c'est bon. Je suis prête. Merde. Belle coupe de cheveux. Gérald.
Viens. La pauvre Ablette, j'ai fait appel à elle très très peu durant toute mon aventure, mais là par contre, là on a besoin. Là on a clairement besoin. Sans doute. Allez, go go go! Pourquoi il s'est arrêté? Lambert? Lambert? Ah, pardon. Un gros détachement émerge de la forêt. Il faut fermer les portes avant qu'ils entrent. Complètement mieux. Fermez la porte principale, mais c'est en haut, c'est ça? Ouais. Alors, attendez, je vais y aller. C'est en haut, hein. Est-ce que je vais pouvoir monter, là, d'ailleurs? Je suis en plein combat. Ah, mais je peux pas, du coup. Alors. Faut que je les tue, peut-être? Mais je serai en combat quoi qu'il arrive. Je suis en pleine bataille. Je peux pas monter là-haut? Monter là-haut! Ah si, mais si, j'avais pas... Oh, ok. Ferme. Not now. Oh là. Ne joue pas les héros. Gérald, va épauler Lambert. Bon, j'y vais. D'ailleurs, il faut que je répare très rapidement mon arme. Quelle bataille exceptionnelle. Je vais faire ça. 94, 47, ouais, c'est là. Hop. Ok, je vais aider Lambert, du coup. Il est où? Ah, il est là. Bien sûr. Formalité. Lâche rien, Lambert! Eh bah, il sait bien boire de l'alcool, Lambert. Il sait bien faire la fête. Mais il sait aussi bien se battre. Ouh, il se fait marcher dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, descends, Lambert. Lambert, reste avec nous. Il est fait un bout de force. Ok. Bah, il sait voler, Lambert. Replions-nous, il y en a fait un véritable coup de force. Ok. J'arrive. Mais écoutez, Lambert en plein combat est capable de l'éviter assis comme ça. C'est propre? Reste avec nous, Lambert, s'il te plaît. À couvert! Portail, les bombes au diméritium ne sont pas la seule solution pour refermer les portails. Le signe, oui bah je sais. C'est plutôt ce que j'ai. Regarde, plutôt ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah mais quelqu'un a déjà fermé ce portail. Oh, j'arrive. Oh j'ai gagné un niveau. 3 points de compétence, super. Le petit moment RPG. Retourne à ta position. Ah oui, pardon. Explosion apparemment qui a mis fin au jour de Gérald ici. Retenons-nous dans la cour. Non mais attends, mais je comprends pas. Ok, mais non. Hop là, petite bombe. Mais j'arrive pas à ranger mon épée, c'est un enfer. Merci. Retourne à ta position. Ressors ton épée. Ah mais non mais... Attendez. Ils ferment eux-mêmes les portails. Ok, pas de soucis. Je voulais vous aider à fermer les... Ah, attention à ça! Pas deux fois. Revenons-nous dans la cour. Attention à ça.
Attention. Vérifiez le passage qui mène à la cour. Ok, je vérifie le passage qui mène à la cour. Il y a aucun problème. Il est où? Il est là. Shakira qui me régale. Où est-ce qu'elle? Merde. On avait convenu qu'il ouvrirait cette porte. S'il ne l'a pas encore fait, il s'en sortira. Occupons-nous plutôt de Triss. Ok, rejoignez Triss. Oui, je la rejoins de suite. Juste attends. Oh, j'ai quand même envie de fermer des portails. Hein. Aider Triss. Y'a aucun souci. Y'a aucun souci pour aider Triss. Triss, elle est au calme, elle lance des petites boules de feu au milieu de tout le monde là, c'est propre hein, en vrai. Oula! C'est une bataille c'est violente là! Hop, tiens, hop. D'où il régène? Aïe. Sorry, Triss. Attends, mais ils sont avec nous, eux ? Excusez-moi. Bah oui, bien sûr ! Excuse-moi, oui, je t'avais pas reconnu dans le combat. Pardon, je suis un peu tête en l'air. Oui, merci. Un peu secoué, c'est tout. Il a fallu qu'on se replie. Ils ont tenté de passer par les portes principales. Je crains qu'ils y parviennent la prochaine. Que fabrique Eskel ? Il faut se replier ! Il a des ennuis. Je vais lui prêter main forte ! N'oublie pas la pierre que je t'ai donnée ! On va peut-être pas le laisser tout seul, là. Oh non. Et alors ? Moi aussi, je sais le faire. Le retour de la chèvre. Oula. Ok, tenez, hop, et je me casse. Et là, boum. J'en ai tué deux avec ça. Attends, montre. Tiens, je te mets ça là. Boum. Hop là. Quoi ? Je croyais que je l'avais traversé avec mon dash. Ok. Je croyais que j'avais traversé avec mon dash.
Il m'a one shot quoi. C'est ouf non? Non mais... Voilà. Mais la chèvre, mais la... Mais... Que fout la chèvre ici là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Ça va? Tu aurais dû rester au donjon. Quoi? Attends, on brûle. Ah mais il y en a encore des bêtes, pardon. Ouch. Ah mais oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Il faut leur ouvrir les portes. Mais là, il y a personne. Mais voilà. J'avais complètement oublié ça aussi. La biquette, elle va bien, vous en faites pas, hein. Regardez. Ouais, bien. La biquette va très très bien. Vraiment, je vous jure qu'elle va très bien. Il n'y a aucun souci. Oula. Qu'est-ce qui se passe ici? Oula. Il faut leur ouvrir les portes. Ah oui, pardon. Ah pardon, il y a un système, il doit y avoir un système, excusez-moi, bien sûr. Est-ce qu'elle a ouvert les portes? Replions-nous à l'intérieur. Repliez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est sans importance maintenant. Bah rentre. Par les portails. Bah, casse-toi. Tu en trouveras d'autres dans ces caisses près des murs. Gérald, bloque-leur la voie. Je dois former un cercle de vitalité. Faut que je ferme les portails, c'est ça? Il faut refermer les portails. Ouais. Sans ça, tout est perdu. Moi, je le fais au signe. Ah bah... Mais d'accord. Eux, ils se ferment instant. D'accord. Le silence était ultra pesant quand même. Entre Ciri et Gérald. Mais pourquoi les portails se ferment avant que j'arrive? Je comprends pas. Ah non. Ah, c'est celui-là qu'il faut que je ferme, l'enfer. J'ai tout utilisé en plus, j'ai plus rien. Voilà. Ok. Ok, on va à l'autre directement. On trace. Allez, go. Go. Putain. Go. Voilà. Allez, go. Hop. Parcours. Le mur les a arrêtés. Et maintenant, combat. Et maintenant, combat. La chèvre. Elle est là. Elle est bien. Il n'y a aucun souci. Et c'est qui la chèvre? C'est genre Avalar? C'est quelqu'un qui s'est transformé en chèvre ou c'est la chèvre de... Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, il y a encore un portail. Pardon, j'avais pas vu. Ça va pas fermer le portail. J'ai pas mis Erden dedans. Oh, je suis dégoûté. Ah si, c'est bon. J'arrive, j'arrive, bouge pas. J'arrive. J'arrive. Ah bah, tu vois. On est plutôt d'accord.
Gérald, où est-il? Il faut... Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Tu as toujours été indiscipliné. C'est ce que j'aime chez toi. Petit miel. Thank you.
J'ai réagi trop tard. Ce n'est pas ta faute. Bon, un peu quand même, elle aurait pu. Jamais je n'aurais dû me réfugier à Kaer Morhen. Avalar est faible, mais il vivra. Triss s'occupe des autres. J'ai failli te tuer. Vous tuez tous. Ah, tu nous as sauvés. Bah, ouais, après, bon. Je vais pas te mentir que si t'avais crié avant, peut-être que Vesemir serait pas mort. Enfin bon. Éviter de le dire là maintenant, parce que j'ai pas quand même envie de casser l'ambiance ni rien, mais tu nous as sauvés. Sans toi, nous serions tous morts. Non, Geralt. Sans ma présence ici, la chasse sauvage ne serait jamais venue à Kaer Morhen. Occupons-nous des funérailles de Vesemir. Non, non, pas de bashing, bien sûr. On a quand même perdu Vesemir, quoi. Enfin bon. Même pas le temps pour un dernier match de Gwent. Ne t'en veux pas. Aucun sorceleur n'est jamais mort dans son lit. Tu sais pas ce que ça fait. Voir mourir un être cher. À cause de moi. Pour moi. Nous savions tous à quoi nous attendre. Oui. Et vous m'avez accordé un répit. D'une semaine? D'un mois? On va te cacher, brouiller les pistes. Non. J'en ai assez de fuir. Va, Fail. Pour ceux qui restent, la vie ne doit jamais céder le pas devant la mort. Rendez hommage à votre ami défunt, puis nous tiendrons conseil. C'est rude là.
après la bataille, discuter avec Avalar de la suite des événements. Dur, hein ? Ce jeu, là. Qu'as-tu en tête ? Kaer Morhen. Difficile de l'imaginer sans Vesemir. Tu es une très jolie fleur. Je gagnerai bientôt la vallée. Je me trouverai un coin ailleurs pour passer l'hiver. Je te comprends. J'irai du côté de l'Ormark. Le travail ne manque jamais après une guerre. Après ça, on verra. À un de ces jours. Bon vent à toi, loup blanc. Donc si j'ai bien compris, le Vafail, ça, c'est un peu le... C'est un peu le rest in peace, en gros. Vafail. Le crack. Alors, j'écoute. Désormais, je pourrais dire que j'ai tout vu. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Ah oui, plus bon vent, Rip. Ouais. Oui, c'est... Ouais. Vous avez risqué vos vies pour moi. Comment vous rendre l'appareil ? On va y réfléchir, d'accord ? Compte là-dessus. Qu'allez-vous faire ? Cap sur Novigrad pour livrer la prochaine bataille. Si on te manque, cherche du côté du camp. C'est noté. Merci à Sherland pour l'abonnement avec 6 mois d'avance. Merci à Yurivian aussi pour le 31e mois. Merci à Antoine pour le host, à Tip Panda pour le 3e mois, Senji pour le Prime, Starkier pour le 5e mois et Vrou pour le 8e mois. Merci beaucoup. Il y a un train de la hype, j'espère que ça va pas tout faire bugger. Je crois pas, depuis que j'ai relancé le jeu, ça a l'air d'être mieux. Merci. Allons, je n'ai fait que mon devoir. Et les aînés sont tenus de venir en aide aux plus jeunes. Tu n'es pas au bout de tes peines, tu le sais. Je le sais. Quoi que tu envisages, rappelle-toi que tu trouveras toujours du soutien sur Skellige. Moi-même, Krar, ses enfants. Merci. Je m'en souviendrai. Après un dernier coup d'œil aux blessés, je vais devoir prendre la route. Je te laisserai des remèdes. Je te remercie. Bon vent à toi, Sac à Souris. À notre prochaine rencontre. Sac à Souris que j'apprécie beaucoup. Zoltan, comment il va celui-ci ? Viens voir comment je me porte. Pas mal, merci. C'est une bonne nouvelle. Ah. C'est affreux pour Vesemir. Je sais combien il t'était cher. En effet, merci. Écoute, je suis pas du tout du genre à fourrer ma barbe où il faut pas. Alors le prends pas mal. Je suis volontaire, quelle que soit ta décision. Et à mon avis, il faut contre-attaquer. Il faut trouver la chasse, Eredin, et leur foncer dans l'art comme des taureaux furieux. C'est le boss, hein, Zoltan ? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Nous n'avons aucun moyen de les localiser, mais eux, si. Ils peuvent nous prendre par surprise quand ils veulent. Mille excuses, Geralt. Mais tu radotes comme un gars qui vient d'essuyer une sale tragédie. Bois un coup, dors dessus, fais ce qu'il faut, quoi. Mais ressaisis-toi et réfléchis bien à tout ça. J'y compte bien, Zoltan. Et quel boss ? C'est le meilleur ami, hein. C'est vraiment un boss ultime. Ah, te voilà. Quel malheur pour Vesemir. Je suis désolé. Merci pour le coup de main. J'avais une dette envers toi. Tu rentres directement à Skellige ? Sur ce, faut pas me lire. La guerre avec les escadrons noirs n'attend pas. Tu es une très jolie fleur. Tu peux compter sur moi, tu le sais. Toujours. Je le sais. Merci. Bon à savoir. Merci Kunimitsui pour le 5e mois, merci beaucoup. Et Lambert. Non, j'ai pas parlé à Lambert. Comment te sens-tu ? Devine,
Merci pour tout. Pas de quoi. Ouf. L'ambiance est délétère. Alors là, c'est difficile parce que c'est le genre de situation où t'as envie de demander ça va pas, mais évidemment, ça va pas. C'est-à-dire que c'est la pire des questions que de demander à quelqu'un après avoir vécu ça, comment ça va, et de lui dire il y a un truc qui va pas. Donc je vais juste lui proposer un repos. Je pense. Hein. Parce que l'enfer, quoi, la situation est immonde. Ça va pas? Il y a un petit souci, tu me dis, hein, s'il y a quoi que ce soit qui tracasse. Hein. Oui, bah... Oui, bah... Il y a quand même quelques trucs qui tracassent, quoi. Sacré Lambert. Non, bah écoute, repose-toi bien. Remets-toi vite. Fous-moi la paix. Voilà, je pense que j'ai bien fait, effectivement. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as appris. Et les sacrifices que tu as faits. Bon, on va discuter avec... Peut canaliser un pouvoir immense. Attends, ils parlent de là-bas, je les entends là à le contrôler. Il se trouve que si. J'ai une bonne oreille. Son succès. Je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous une autre fois. Tigwint ? Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Merci pour ton aide. Et pour avoir pris soin de Ciri. Tu me remercieras plus tard. Pour l'heure, il faut éloigner Zyréel, la cacher, puis battre le rappel. Tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Kaer Morhen. Raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi. Face à la chasse, la magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celle de la loge ? La loge a perdu beaucoup de membres, et les survivantes se cachent. Philippa Elhart, Margarita Lohantille et Fringilla Vigo doivent avoir survécu. Qu'en est-il de Francesca et Ida ? Elles pourraient nous suivre ? On doit pouvoir les convaincre. Tu souhaites parler à Kera cela seul ? C'est sûrement préférable. Oh ! Ah ! Je n'ai aucune confiance en la loge. Mais avons-nous le choix ? Je ne crois pas. J'ai conclu un accord avec l'Empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Triss, je souhaite partir dès demain pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider ? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais c'est pas vrai ! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis ! J'en ai ma claque ! On me traite comme un vulgaire paquet ! Il n'est pas question que je me tourne les pouces ! J'en ai assez d'attendre ! J'en ai assez de me cacher. Ok. Oui, mais c'est bien, je vais dans son sens, ok. C'est vrai. Tu as raison. C'est vrai. Et tu as prouvé aujourd'hui que tu sais te défendre. Il est plus facile de passer de la pommade en espérant que tout ira bien plutôt que de faire face aux réalités. Zyréel possède un grand pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Elle est un danger pour elle-même comme pour autrui. Il convient de l'isoler tant qu'il en sera ainsi. C'est n'importe quoi. Et puisqu'il est question de courage, et celui de me parler directement au lieu de passer par Geralt. Chais ! Pardon. Je m'en vais. Ouais, tu fais bien de te casser en vrai. Laissons-la partir. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. C'est bien là ce qu'elle est en train de faire. Là. Très juste. Mais aussi d'entraînement. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad, Triss et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jaskier. Viens, Yen. Mieux vaut ne pas perdre de temps. À bientôt.
C'est magnifique. Tu ne vois pas que ça marche pas? On baisse les bras après 8 malheureux essais? Zyréel. Combien de fois dois-je essayer? Autant que nécessaire. Mais je ne progresse pas d'un pouce! Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Geralt, je t'en prie, pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Dis-moi, comment tu fais, toi? Quoi? Pour garder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances. Détends-toi, tu ne peux pas exceller dans tous les domaines. Je connais un truc. Ah bon? Je connais un truc. Vas-y. Il y a bien cette ancienne méthode. Je la tiens de Vézémir, qui la tient de Barmin. Aucune idée de ce que c'est. Pour me faire boire de la ciguë? Les druides de Skelly, je l'utilise depuis des siècles. Ça marche à chaque fois. Ah, la musique du Gwent. Hey, tu vas le regretter. Hein, quoi? C'est de la triche. Mauviette. C'est ce qu'on va voir. Attends, quoi? Mais... quoi? Elle va là, battre dans une bataille de boules de neige. Mais quoi? On fait une bataille de boules de neige là? Mais oh, je suis un sorceleur moi, c'est quoi ce bordel? Tu les ramasses où ta neige? Alors... j'ai aucun de mes boutons qui fait quoi que ce soit. Donc je ne sais pas quoi faire en fait. Voilà, j'ai juste, je peux dodge comme ça. Voilà, c'est énorme. Voilà, je peux juste faire ça. Ah si, mes boules de neige sont là. Attends, ah non, je viens de boire. Attendez, j'ai mes boules de neige, bien sûr, en bas à gauche. Je la sors comment? Ah non mais c'était pas une boule de neige que j'ai lancée là, si? Attends, tiens. Si, je crois. Je peux... Hey, c'est de la triche. Allez, c'est pas de la triche. C'est juste que je suis chaud. Attends, tiens. Ah non, j'en ai plus. J'ai plus de boules. Ah, faut que je les récupère là. Ok, d'accord. Là, j'en ai récupéré, regarde. Ah non, j'en ai pas. Ok. Ça l'a pas touché. Voilà. Oh, quel gameplay exceptionnel. Tiens. Tiens. Ah, merde. Trop chiante. Ok, je vois que t'es là, tiens, boum. Elle est énorme cette quête, elle est exceptionnelle. Attends, tiens, corps à corps. Oui, j'avoue. Tiens. Est-ce que je la laisse gagner? Tiens.
sais pas si je la laisse gagner. C'était plus sympa sur It Takes Two. C'est vrai qu'hier on a fait une bataille de neige sur It Takes Two. Oh là, ah bah. Tiens. Non, t'es un peu loin, tiens. Tu avais raison, c'est efficace. Merci. Content d'avoir rendu service. Et maintenant ? Je vais m'enquérir de notre sage préféré. Un alcool fort était... Ça me fume quand ils me disent vraiment que je prends des alcools comme ça. Debout. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Lève-toi, il faut partir. J'ai scellé les chevaux. Ciri, il fait à peine jour. Où tu veux aller comme ça ? Au mont Chauve de Vélène. Plus que quelques jours avant le sabbat des sorciers. Et devine qui sera l'invité d'honneur. Je l'ignore, éclaire-moi. Imlérite, c'est l'occasion rêvée de lui tomber dessus. D'où t'est venue cette idée ? Qu'est-ce qui te prend ? Je dois venger Vézémir. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Imlérite sera sous parmi les siens, happé par la frénésie de l'orgie. Il ne verra pas le coup venir. Ciri, tu sais dans quoi tu t'engages ? Oui, et c'est mon devoir. Viens, nous en parlerons en route. Attends, je dois te dire quelque chose avant de partir. Tu sais que l'Empereur souhaite vraiment te retrouver ? Yennefer, on en a parlé. Il tient à te revoir. Pourquoi me le dire maintenant ? Parce que ça pourrait être ta dernière occasion de voir ton père. Je dois y aller, selon toi ? C'est à elle de prendre sa décision. Après, selon moi, oui, non, peut-être. C'est à elle de prendre la décision, je sais pas. Tu devrais décider par toi-même. Mais je te demande ton avis. Dois-je y aller, oui ou non ? Ah. Eh bah... Hé hé, t'en poses des questions, Ciri ! Attends ! Ah, j'ai pas trop envie d'être responsable de quoi que ce soit, vas-y, la non-prise de risque de mon côté. Le noir ne te va pas bien. Que veux-tu dire ? Tu crois qu'il veut te voir parce que tu lui manques ? À mon sens, il a des projets. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais dû m'y attendre. Geralt, j'en ai assez. Je refuse de laisser les autres décider dans mon dos. En route pour Vélène. Mais habille-toi, s'il te plaît. Tu es prêt ? Allons-y. Après la bataille de Kaer Morhen, alors que les défenseurs pansaient leurs plaies et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Geralt et le pressa de l'accompagner à Vélène. Sachant qu'elle y trouverait Imlérite au sommet du Mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Waouh.
Ah, c'était particulièrement beau, moi j'adore ces couleurs. Les hommes de Perchefreux, ils parlaient de cet endroit. Art Serbine, la demeure des Dames de la Forêt. Les paysans avaient peur de venir ici. Quant au baron, il pensait que les Dames de la Forêt n'étaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron ? Il s'est pendu après la mort de sa femme. Sa fille est à Novigrad. C'est triste. Moi, c'est assez triste, effectivement. C'est effectivement assez triste. Ouais. Merci beaucoup à Charland pour le sub-gift à Nut, le sub-gift de niveau 2. Merci à Welzan pour le deuxième mois et Lola pour les 200 bits. Merci beaucoup. On va discuter un peu ? Tu connais cet endroit ? Oui. C'était un site sacré pour les druides autrefois, jusqu'à l'arrivée des Moires. Elles ont anéanti le cercle de Vélène et corrompu le chêne sacré au sommet de la montagne. D'accord. Chaque année, tous les villageois s'y réunissent pour une grande fête, le sabbat. Imlérit sera probablement de la partie, lui aussi, en tant qu'invité des Moires. Tu en sais des choses. Avalar est un bon professeur. C'est bien. Tu es sûr qu'on va trouver Imlérit là-bas ? D'après Avalar, il existe des créatures qui communient avec les elfes NL un peu partout dans le monde. C'est ce que font les Moires de Vélène. Apparemment, Imlérit serait venu ici à la demande d'Eredin pour ordonner aux Moires d'ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles au cas où Avalar chercherait refuge dans son repère de Vélène. À en juger par toutes les oreilles pendues aux branches, elles ont appliqué ses ordres à la lettre. Et tu penses qu'Imlérit est encore là ? Il aime les plaisirs de la chair, le vin, le sexe. Les Moires flattent son égo et comblent ses moindres désirs. Pour lui, l'occasion est trop belle. Il ne peut pas manquer le sabbat sur mon chauve. Bon, tu fais bien de pas me demander des nouvelles de Kaira. Bon, allons-y. Nous devons atteindre le sommet. C'est là que se trouve Imlérit. Allons-y, Ciri. Les paysans de Vélène appellent cette nuit la fête des présents. J'ignore une flopée d'empreintes. Un groupe de paysans est passé par là. Ok. J'ai mon inventaire là. Ah oui, j'ai mon inventaire parce que du coup, j'ai des points de compétences. J'ai 3 points de compétences à mettre, donc ça peut être intéressant d'aller les chercher, je pense. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais regardez, je pense que mettre du... J'ai fait de la merde. Attendez. C'était quoi que je voulais faire ? Mettre... là, voilà, c'est ça. En fait, je voulais les déplacer. Je pense qu'on peut se faire un petit truc un peu opti là. Voilà. Ah mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire du coup. Si, c'est ça. Ok. Et maintenant, je mets ça, là. Et ça, là. Et là, je vais remettre un truc rouge. Je suis en full building en fait. Je peux ou pas ? Dégâts 5%. Dégâts 5%. Dégâts 5%. Ah oui, c'est à chier. C'est quoi ça ? Dégâts 5%. Et c'est quoi ça ? C'est 20%. J'ai mis un énorme truc de 20%. Ah non, c'est 5%. Vas-y, je vais mettre un 5% alors. Hop. Je vais le mettre plutôt à la place de... Voilà, à la place de lui. Et je remets la grosse vitalité ici. Là. Ah non, il est pas encore débloqué. Non, mais je fais ça. Comme ça, je mets bien cher. Ça me va, moi. Et ensuite, je me mets quelques points ici. Parce que j'utilise quand même jamais ce sort. Et du coup... Merde, j'ai fait quoi ? Quoi ? Allô ? Attendez. Bizarre, non ? Ok. Je remets du coup ces choses-là, là. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Ouh, quel enfer. Ok, super. Mais j'ai un slot de dispo, j'avais quoi dessus ? Il était pas vide, ce slot. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Bah c'est bien. J'ai pas un truc bleu à mettre. Augmente de 1 mètre la portée du signard, bof. Augmente la durée des signes de 5 secondes. Hey. Nombre d'utilisation du mode signe inter... Bof. Ah il était vide. Ok.
Bouclier explosif. Lorsque... Ah, bah je vais me prendre ça. Lorsque votre bouclier de Quen est détruit, son explosion repousse les ennemis en leur infligeant des dégâts et peut les renverser. Vas-y, go ça, hein, ça va être bien. Et en plus de ça, j'ai un 40% sur l'intensité des signes. Enfin, là, pour le moment, je suis en opti maximum, quoi. C'est assez ouf. Voilà. Ok, on y va. Excuse-moi, Siri. J'étais en opti. Geralt ? Oui ? Avalar dit que la vanité est la plus grande faiblesse d'Imlérith. Ah. La vanité ? Il met toujours tout en œuvre pour impressionner ses adversaires. Le deuxième, Carantir, serait réservé et pragmatique. Rien de plus normal pour un ancien disciple d'Avalar. Ok. Je vais éteindre ce feu, j'ai peur avec le vent que ça... Hop. Que ça brûle une partie de la montagne, j'aurais... J'ai pas spécialement envie, j'avoue, de perdre toute cette végétation. Je l'ai tué. L'homme qui a sauvé Cuterrier. Oula. Ciri. Fais gaffe. Laisse-les approcher. Mais ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée. Vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu, mangez, buvez. Et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. Merci de votre invitation. Nous serions ravis de nous asseoir un instant. Pas vrai ? Parle pour toi. Suivez-moi. Honnête. Ambiance de fou. Ambiance de dingue. L'ambiance est vraiment à chier, what the fuck. Les dames de la forêt vous rendent visite? Si tel est leur désir. Mon père m'a raconté qu'un jour, elles sont descendues parmi les villageois pour écouter leur espoir et leur peine. Depuis, nous attendons leur retour. L'attente risque d'être un peu longue. Oui, beaucoup trop longue à mon goût. On n'a pas le choix. Il faut grimper jusqu'au sommet. Vous dites que la porte est fermée. On ne peut pas passer. Seuls les élus peuvent rendre visite aux dames. Tous les ans, trois jeunes gens du village grimpent au sommet du Mont Chauve. Laissez-moi deviner. Ils ne redescendent jamais, c'est ça ? Au contraire, ils reviennent. Ils sont même radieux et pleins de vie. Hélas, ils restent rarement à Velen. Ils partent chercher fortune ailleurs. En quoi consiste cette fête ? Qu'est-ce que ça peut vous faire, étranger ? Garde ton calme. Il a servi les dames tout comme nous. Toute l'année, nous leur faisons des offrandes. En remerciement, cette nuit, elles nous accordent leur bénédiction. Elles sont belles, vos offrandes. Des enfants terrorisés, paralysés par la peur. On se calme. Putain, Siri est vénère, hein. À chaque fois, elle est très 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 énervée, hein. Vous dites que les dames vous accordent leur bénédiction ? Oui, car ainsi vont nos vies. Un été de labeur sous un lourd soleil, et puis un automne pluvieux, et enfin, un hiver de mort. Nous attendons alors le printemps où la vie reprend ses droits. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glands, parfois en abondance, parfois pas. Et que faites-vous de ces glands ? Les anciens de Velen tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte abondante, d'autres en tirer des remèdes. Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Velen ? Hélas, non. Pourquoi les dames prennent-elles vos enfants ? Elles seules le savent. Personne n'a jamais posé la question. Personne ?
Je peux vous le dire, moi, ce qu'elles en font. Et vous croyez peut-être qu'ils auraient un meilleur sort s'ils restaient ici avec nous, à crever de faim. Vous n'êtes pas d'ici. Ne nous jugez pas selon des coutumes étrangères. J'en ai assez entendu. Parlons d'autre chose. Mais apparemment, il n'y a rien d'autre à dire. Nous devrions y aller. Pressé de voir les dames, pas vrai? Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à Thécla, dans la tente. À Thécla? C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. Bon bah, allons parler à Thécla alors. C'est lui. Aucun souci. J'espère que les dames seront généreuses. C'est chill en vrai ça, c'est pas mal. Bon, quand il pleut, ça doit être l'enfer, mais sinon, c'est ça, ça peut être un lieu assez chill, je trouve. Un petit cerf comme ça, tu mets des chaises et tout, ça peut être lourd en vrai. Ce mystère, regardez, est source d'erreurs innombrables. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Je note. Oh, dame généreuse et bienveillante, accordez la santé à belle. Il est pas le dernier. Je le connais, lui. Je l'ai déjà vu. Mais c'est un brave petit. Je vous en supplie. Donnez-lui. Ah, mais il parle là. Elles sont badantes un peu, les statues là. Font un petit peu badées, ouais. Bienvenue. Y'a personne pour un petit Gwent d'ailleurs? Ah. Bonjour. Vous allez comme ça? Je cherche quelqu'un pour jouer au Gwent. Vous voulez attendre les dames à l'écoute? J'espère que. Non, je. Prêt à jouer au Gwent. Petit Gwent? Ouais. Oh non. Oh non. Voyons ce que vous proposez. Oh, j'y ai vraiment cru. Je me suis dit, là c'est Gwent. Dommage, pas du tout. On va vendre. Je vends à peu près tout ce que j'ai de pas... C'est quoi ça? Une hache? Ouais, une batte de baseball. De toute façon, on n'a pas encore découvert le baseball, je crois, à ce moment-là de l'histoire. Donc bon, ce sera plus tard, je pense. Ça, c'est quoi? Oh! Épée de guerrier de la chasse sauvage. Eh! J'avais pas vu. Eh, mais ça aussi. Mais attendez, mais j'ai récupéré des trucs de fou. Ouais, ça fait mal, mais c'est pas pour les chats, vraiment, ça. Ça, je pense. Ah! Ah merde, je l'ai dépouillé! Ah, il n'y a plus une thune. Ah, alors. Veuillez prendre ce collier en or serti de saphir. Ah non, on sait jamais. Oh non, bah je l'ai dépouillé, il n'a plus de thune. Non, bah écoutez, monsieur. Attends, si. Quoique. Non, on va... Non. Il n'y a pas un truc que j'ai... Si, ça. T'as 40 balles, je t'en vends 8. Oh là, t'as 0. Le pauvre, il a 0. Bon, bah voilà. Terminé. T'as pas des cartes de Gwent? Non. Tu ne sers pas à grand-chose, du coup. Ok. Eh bien, au revoir, monsieur. Adieu. Merci beaucoup, monsieur. Gérald? Oui, Siri? Gérald? Oui, Siri? Gérald? Siri? Gérald? Siri? Bienvenue. Merci. J'avoue que j'ai pas réparé mon stuff, quand même. C'est lui. Ouais. C'est là. J'ai une commande. Vous pouvez jeter un œil. Réparer, voilà, c'est là. On va tout réparer. Et voilà. C'est bon. Vous avez des coiffeurs dans le village, monsieur? Adieu. Gérald? Oui, Siri. C'est un marchand. Ah, je vais peut-être Bonjour. Le dépouiller. Bonjour. Ah non, pas de Gwent, mais ça me dégoûte. J'ai très volontiers un coup d'œil. J'ai l'impression que je jouerai plus jamais au Gwent de ma vie. Ok, je vais vendre des pots d'ours. Non, des pots de bêtes. Du cuir, pas ouf. Ok, écoutez, je vais vendre tout ça. Hop. Hop. Tac. Bon bah voilà. Ouais bon ça après ça se vend tellement peu cher. Des menottes? Oh non je vais garder des menottes, on sait jamais hein. Elle est où Yann? Je sais plus où elle est là actuellement. Mais on va garder les menottes quand même. On sait pas. Bon vent.